Les spécialistes, les bronzés fondus, ski évidemment, les bronzés 3, rien de tel de bons souvenirs. Patrice Lecomte est l'invité aujourd'hui du jour pour parler de ses différents longs-métrages de passage à Sète et à Montpellier. Sachez qu'il sera ce soir au Diagonale à Montpellier à 20h et demain en dédicace et pour parler de ses livres qu'il a écrits et ceux qu'il aime à la librairie L'Échappée Belle à Sète. Rencontre avec Patrice Lecomte, c'est au CRDP de Montpellier, juste à côté du lycée Joffre. Ambiance, interview, montage avec Sébastien Moujol. Regardez. Effectivement, au CRDP, juste à côté du lycée Joffre à Montpellier. C'est notre invité du jour, c'est Patrice Lecomte. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans le sud, au soleil. Bon, ça fait froid quand même. Est-ce qu'il faisait aussi froid quand vous aviez tourné Les Bronzés font du ski en 79? Ah ben, quand il fait froid à la montagne, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il va faire froid, puis c'est mieux qu'il fasse froid. Comme ça, il y a de la neige et on fait du ski, on est équipé. Bon, on va parler de vos 27 longs métrages notamment, mais parlons un petit peu de la raison de votre venue à Montpellier et Sète. Alors, ces différents publics, ces différents endroits, ces différents messages finalement entre Sète et Montpellier? Bah, entre Sète et Montpellier, je ne sais pas, puisque là je suis à Montpellier, je ne suis pas encore allé à Sète, et qu'à Sète, ce n'est pas pour des raisons cinématographiques, mais c'est pour rencontrer les libraires, un libraire, une librairie particulièrement. Il y a eu un livre édité avec des photos de Sylvie Goussopoulos, qui est quelqu'un que je connais un petit peu, qui a fait des photos de libraires dans leur librairie. Enfin, donc là, j'y vais pour ça, mais c'est pour faire d'une pierre deux coups. Mais ici, là, toute la journée, ici, c'est intéressant parce que c'est pour rencontrer des jeunes gens, des lycéens qui ont fait des petits films qui, à propos de mes films, qui analysent des séquences de mes films. Enfin, il y a quelque chose de très pédagogique, quoi, et qui me change vraiment du sacro-saint week-end passé avec 3-4 films que j'ai fait, rencontrer le public. Ça me plaît aussi, hein, mais là, les règles du jeu sont complètement différentes, donc c'est marrant, et puis c'est intéressant. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces collégiens, du collège Rabelais, du lycée Joffre à Montpellier, du lycée Saint-Sulpice à Paris? Mais ce que je retiens par exemple, c'est que quand il y a certaines analyses de mes films ou de séquences de mes films, je me dis mais c'est formidable, quoi, parce qu'ils ont vu tout ça dans le film. Moi, quand je fais les films, j'espère que les choses vont être perçues, que ça va percuter, etc. Mais on n'est jamais tout à fait sûr de toucher aussi précisément les gens. Et que des adolescents, par exemple, analysent, je pense à eux, parce qu'ils ont vraiment été, ils m'ont vraiment cueilli, analysent avec autant de précision et autant d'intelligence un film comme La fille sur le pont, ça me touche parce que je me dis, non pas, oh mon Dieu, comme ils sont intelligents pour leur âge, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est, ben voilà, les films que l'on fait, on pense que, bon, que c'est regardé, puis qu'on passe à autre chose. Non, non, là, ça laisse une trace et ils en parlent super bien, donc c'est assez émouvant, quoi. Ça peut susciter aussi des vocations parce que tous ces jeunes sont passionnés par le cinéma, hein. Ah ben, je sais pas s'ils seront tous cinéastes plus tard, mais en fait, en tout cas, ils ont le talent pour écrire sur le cinéma. Patrice Lecomte, vous avez réalisé une trentaine de films, de longs métrages, tous hors de Paris essentiellement. C'est important pour vous, le Languedoc-Roussillon, c'est avec Languedoc-Roussillon Cinéma, hein, c'est cette journée. Pour vous, c'est une terre de cinéma, le sud de la France, comme la province, en dehors de la capitale? Je suis provincial, donc moi je revendique beaucoup la province, et puis le tourner à Paris. Tourner à Paris, ça veut dire rentrer chez soi le soir, et moi j'aime bien tourner en étant ailleurs que chez moi, c'est-à-dire pour être dans une espèce de bulle géographique autre que ma vie quotidienne. Et pour faire le film Languedoc-Roussillon, j'ai tourné un petit peu partout, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une attirance comme ça personnelle, mais j'ai plutôt été vers le sud que vers le nord. Et c'est pas contre Pas-de-Calais ou tout ça, mais c'est vrai que dans les films que j'ai pu faire, on est plus à la recherche de, non pas de la chaleur, mais enfin du soleil. Vous savez, quand on tourne en extérieur, on ne veut pas être à la merci d'une météo capricieuse, donc on préfère tourner là où il fait beau. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et vous serez notamment à Sète jeudi dans une librairie, hein, mais aussi pour visiter un petit peu les lieux. On va vous faire visiter la ville parce qu'il paraît que Sète est une ville de cinéma là aussi qui sert beaucoup de décors. Il y a pas mal de films, j'ai pas la liste complète, mais il y a pas mal de films qui se sont tournés à Sète. Et alors je sais qu'il m'emmène à Sète pour m'inciter à avoir un projet à Sète. On verra bien.
Bon, en tout cas, ce soir, 20h dans le cinéma Arrêt Essai de Montpellier au Diagonale pour Monsieur Hir, qui est un film de 89. Voilà, il y a un message à dire à ceux qui vont venir ce soir, parce que c'est un film de 89, les gens l'ont vu, mais c'est quoi? C'est voir et revoir, se refaire plaisir? Ah ben, c'est-à-dire que j'oblige personne à venir. Des gens qui n'auraient pas vu Monsieur Hir et qui s'intéresseraient à mon travail peuvent venir, oui, bien sûr, parce que c'est pas un mauvais film. Enfin, moi, j'aime beaucoup celui-là. Alors, c'est vrai qu'il date un peu. J'ai eu l'occasion, comme ça, de le revoir il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait une production organisée, bref, peu importe. Et j'ai trouvé que c'est pas très modeste. Le truc, il tenait très bien le coup. Mais je sais pourquoi. Michel Blanc ? Non, c'est pas Michel Blanc. Mais souvent, je fais des films qui sont pas datés, qui échappent au temps, qui ont un côté assez intemporel, dont Monsieur Hir. Et du coup, un film intemporel n'est jamais démodé. Comme Les Bronzés font du ski ou Les Bronzés. Est-ce que ça vous fait plaisir quand on regarde? Il y a toujours des millions de personnes qui regardent le film. Quand on dit Patrice Lecomte, on dit Bronzé. Ça vous agace ou ça vous fait toujours autant plaisir? Ah non, moi ça ne m'agace pas du tout. C'est des films que je revendique haut et fort. Je suis très très fier d'avoir fait Les Bronzés. Vous rigolez. Faire rire autant de générations différentes et que ces films continuent à passer 8 fois, 9 fois, 12 fois à la télévision en faisant toujours le même nombre de spectateurs, énorme, c'est une satisfaction folle, quoi. Non, moi je suis très fier. À Montpellier, à 7. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. On va terminer avec Jean Kahn. Est-ce que vous connaissez le Cap d'Agde un petit peu? Le Cap d'Agde, non. Je devrais? Non, parce que c'est justement l'émission, pour terminer l'émission. On dirait le Sud avec Jean qui nous emmène au Cap d'Agde, Patrice Lecomte. Maintenant, nous allons au Cap d'Agde. Donc, Allez. Il faudrait logiquement que je reste devant ma télévision et que je regarde. Voilà. Jean Kahn, on va regarder Jean Kahn. Merci Patrice Lecomte d'avoir répondu à notre invitation. C'est parti. Ah ben alors, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, attends. Et Jean, mais je t'attendais, j'étais en train de prendre un petit cours avec Loïc là de vente de crustacés, parce qu'on est où là, Jean? C'est le restaurant des Halles, c'est là où on va manger, on va rejoindre le chef. On a rendez-vous avec Patrick pour la recette. On y va parce que je t'attendais. Eh ben voilà, on est arrivé, Patrick, le patron des... Oh, c'est joli comme bruit, patron des Halles. Alors, mais en même temps, poissonnier et restaurant. Oui, alors j'achète le poisson à la criée du Gros d'Agde. Ouais. Donc je réceptionne le poisson sur les Halles. Ouais. Et après, on vend du poisson à l'extérieur, plus... Et à l'intérieur. Le restaurant. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Ah, on mange beaucoup de spécialités. Voilà, maintenant, la nous. Ah, maintenant, la bourrida. Ah, ouais, la bourrida, spécialité, oui, et aucun problème. C'est Thomas qui nous fait ça. On y va. Allez, la bourride, on y va. Allez, Chine, à vous. Allez, avec modération, toujours. Hein. Et on a faim. Et à la cuisine, le chef, c'est Thomas. Thomas qui va nous faire quoi? Parce qu'on a faim, là. Je vais vous préparer une bourride de Baudrin. Une petite garniture de carottes et de poireaux. D'accord. De la Baudrin. Un petit fumet de poisson que j'ai préparé avec les têtes de Baudrin ce matin. Des pommes de terre. Et après, pour finir, de l'aïoli. Je mets à chauffer la casserole. Hop, on fait revenir les petits légumes. Alors des carottes, des quoi, des petits... Des carottes et poireaux. Voilà. Je mets un petit peu de poivre. Et là, j'ai rajouté le liquide de mouillement. On rajoute les pommes de terre maintenant que le mouillement a bien diminué. On a les pommes de terre, les légumes, toute la baudroie est cuite et le mouillement a assez réduit. Maintenant on va pouvoir la lier avec l'aïoli. De l'aïoli, il n'y a qu'un pas. Alors on dresse. Alors on dresse dans l'assiette. Ah ouais, parce que là on n'en peut plus. Hein. On dresse la bourrine. Oh là, elle est belle, regardez, elle est onctueuse, elle est sublime. Oh. Note d'un chien, la bourride, la bourride. Allez. Après, on rajoute un petit peu de... Un peu de...
un peu de persil haché. Juste pour donner un petit peu de couleur. Et voilà, la bourrite de Beaudroit. La bourrite de Beaudroit au Cap d'Agde. Idéal au poisson. Idéal au poisson, fait par Thomas. Exactement. Il est un peu plus loin. Allez, on y va. Allez. Et oui, j'arrive. Délicieux, délicieux. Donc, une belle adresse encore. Où est Caro? Attendez. Allô? Caro, t'es où? Oui, on y va là? Faut qu'on y aille, on a la suite demain. Là, on doit être à Agde demain, alors il faut y aller maintenant parce que. Raccroche. Je sais pas si on va trouver un taxi avec la tenue. Ah bah, je sais pas. Alors à demain, Jean, pour terminer cette série sur le Cap d'Agde et pour continuer dans la station balnéaire du Cap d'Agde. On vous emmène à Prapeiro, de moins 1 degré, on passe à moins 15 degrés, mais il y a quand même de la neige dans cette station de Prapeiro-Montégoal. 5 pistes sur 14 sont ouvertes et des forfaits à gagner. Vous nous appelez, même les heures de rediff, ce forfait est valable tout au long de la saison. Voilà, merci de votre attention, merci d'avoir suivi cette émission sur TV Sud, à toute l'équipe technique. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec quand même des invités de marque. Hein, pour bien terminer la semaine, nous aurons Jean Dujardin. Nous aurons Tito de Pavan ce jeudi, le skipper de la Grande Motte, pour nous parler notamment du trophée AG2R. Je vous embrasse, bonne soirée tout le monde, couvrez-vous, ça caille, à demain, bye bye, merci.